Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, il est tard, hein, il est soir, mais je viens vous faire la petite vidéo. J'ai pas eu le temps aujourd'hui de faire quoi que ce soit, parce que j'ai mis toutes les nouveautés sur la boutique, comme vous avez pu voir. Je vais brûler un peu de patchouli, tiens, moi j'aime bien. Donc voilà, c'est fini, tout est sur la boutique. N'oubliez pas que vous avez 30% de remise. Vous n'avez pas de code à mettre, hein. Ça se fait à la fin, voilà. Quand vous cliquez sur commander, si vous dépassez les 30 euros, ça vous le met directement. Alors, je viens faire une petite vidéo parce que j'ai une abonnée qui m'a parlé. Je n'étais pas au courant. Donc, elle m'a demandé de faire un tirage sur Louis Fouché. Vous savez, le médecin anesthésiste réanimateur, hein, voilà, qui passe en commission disciplinaire de l'Ordre des médecins le 19 octobre, donc dans 2 jours. J'avais même pas vu qu'on pouvait le soutenir par mail et tout, sinon je l'aurais fait. Donc, j'ai regardé sa date de naissance. Voilà, parce que moi j'aime bien travailler comme ça. Donc, on va demander qu'est-ce qui va se passer pour Louis Fouché, l'anesthésiste, le réanimateur, hein, ce 19 octobre 2023, lors de son passage à la commission disciplinaire, s'il vous plaît. Voilà, alors on va regarder, on va demander, on va voir. Alors, ici j'ai quoi? Alors, j'ai le 9 de denier, le butin, les conséquences, l'avertissement. Bon, il a été averti, hein, voilà. La reine d'épée, perte, tristesse, pauvreté. Donc, je suppose qu'il a été radié de son travail, hein, bien sûr. Bon. Lui, ça le rend malheureux parce que vraiment, c'était quelqu'un qui était là pour aider. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Et alors, le passage à la commission disciplinaire. Le valet de denier. Vous voyez ici, on me dit de rester concentré. Il faut de la patience. Il y a des choses qui sont en étude, hein, les amis, d'accord? Alors, ok. Donc, l'avertissement. La perte de travail, on est OK. Le futur, concentration, patience. Alors ici, on a quoi? Les oiseaux et les poissons. La protection, l'assistance, l'aide reçue. C'est vraiment quelqu'un qui va être aidé, hein, d'accord? Et on a ici la force. Manque de confiance envers les puissants et difficulté. Que voulez-vous qu'on lui reproche? C'est tellement réel, hein? Voilà. Alors, Louis Fouché, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour lui ce 19 octobre à la commission disciplinaire de l'Ordre des médecins? Alors, on a le 3 de denier, médiocrité, hein, voilà. Donc, malgré tout ce qui est sorti sur les picouses, hein, bon, ils vont voilà, hein, faire leur... Mea culpa. Mais on voit ici qu'il va être aidé. Et ici, vous voyez, on a le valet de bâton. Bonne nouvelle, générosité, excentricité et anonymat. Bon. Quelqu'un qui reste anonyme, mais en tout cas qui va bien l'aider. D'accord? En tout cas, c'est ce que je peux voir. Entendez crier, ne vous inquiétez pas, c'est mon fils qui joue au foot. Voilà, au foot. Alors, s'il vous plaît, ce n'est pas grave, moi ça ne me dérange pas, ça ne me déconcentre pas, hein, d'accord? Alors, ici on a quoi? Encore des bonnes nouvelles. Bon, alors Louis Fouché, s'il vous plaît, va passer en commission disciplinaire de l'Ordre des médecins le 19 octobre. Que pouvez-vous nous dire?
Eh bien, écoutez, moi j'ai une belle carte. Fin de l'isolement. Reprise. Travail après une maladie. On dit ici qu'il peut sortir de ses problèmes. Bon. Allez, on va faire un tirage correct. On va plus prendre les cartes qui tombent. Eh ben non, on va plus les prendre, mais vous voyez, on veut nous dire quelque chose, donc on va quand même les regarder. Regardez, résolu, optimiste et curieux avec le roi de baguette. Le 5 de coupe, sentiment de perte. Occasion reconnue. Et ici, on a le 9 de baguette. Défi, prudence, stressé par le passé. Difficulté à accepter vos forces et vos talents. Bon, bah écoutez, c'est vrai que de toute façon, on sait, hein, on va pas lui le féliciter. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Voilà. Allez, c'est tout. Louis Fouché, s'il vous plaît, doit passer à la commission disciplinaire de l'Ordre des médecins le 19 octobre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors ici, on a le Seigneur à l'envers. Vous voyez, on voit l'autorité, le manque de clarté. D'accord? Bon. Venant du pouvoir, hein, des autorités. Lutte de pouvoir. Hein. Alors ici, on a la renaissance. Suivre l'appel. Nouvelle direction. Renouveau. Prise de décision. Une transformation pour Louis Fouché. OK? Ici, on a quoi? On a Cernos, abus de pouvoir, succomber à la tentation, se libérer. D'accord? Donc lui, bah oui, bah il est comme nous, hein, voilà. Il n'a pas voulu, hein, rentrer dans cet abus de pouvoir. Il a voulu prendre ses décisions par lui-même. Et se libérer, hein, des choses qu'on lui imposait de faire. Alors, ici, on a quoi? On a le roi de coupe. Tolérant, sincère, compatissant. Vous voyez le roi de coupe? Bon, bah écoutez, on a vu les bonnes nouvelles qui sont sorties plusieurs fois. Alors, conclusion, s'il vous plaît, pour ce 19 octobre 2023. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on voit ici, il a été dans une période difficile, hein, d'accord? Dans une faillite, hein. C'est un monsieur qui a perdu beaucoup d'argent. Mais on voit ici, avec le 2 de Pentacle, un équilibre de la confiance et de l'enjouement. Conclusion, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer le 19 octobre pour Louis Fouché? C'est quelqu'un qui est en colère, hein, d'accord? Voilà. Mais qui a quand même pris la décision, d'accord, de défier, hein, ce défi, hein, ces personnages horribles, d'accord? Voilà. Alors là, on l'a mis en incapacité d'agir, hein, on a bien compris, mais il y en a deux qui sont sortis. Désolé. Ici, on voit avec le 8 d'épée qu'il a été en restriction, d'accord, voilà. Mais c'est quelqu'un qui a de quoi sous la main. On a vu tout à l'heure qu'il allait être aidé avec le tarot égyptien, hein, voilà. Et ici, on voit qu'il a un potentiel pour se libérer de ça, d'accord. Et vous voyez, moi je dis qu'il y a une belle carte ici, c'est l'as d'épée. Il va y avoir une clarté sur sa libération et moi j'ai le succès, d'accord? Il va y avoir une rupture nette sur les accusations qui lui ont été proférées. Pour moi, d'accord? Voilà, c'est vraiment ce que je vois. Les amis, le temps que j'y pense, je vous conseille vivement d'aller voir ce que j'ai mis dans Communauté. C'est une vidéo d'une chaîne YouTube
où on vous parle de Jean Biche, Bibi, Jean, hein, voilà. Alors là, c'est pas une médium, hein, c'est pas tout ça, voilà. C'est vraiment une comportementaliste, d'accord? Et qui dit exactement, hein, que, voilà, ce n'est pas madame, mais voilà, c'est monsieur. Et avec beaucoup d'explications, d'accord? Et souvenez-vous que dans mes cartes, j'avais dit, ce qui va faire éclater les choses a déjà été dit, mais n'a pas été cru. Vous vous souvenez? Je crois que c'était fin septembre pour la première quinzaine d'octobre ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus. Je sais qu'il y avait des cartes qui disaient ça. Et paf, ça revient sur le tapis. D'accord, les amis? Bon. Cette personne qui explique, hein, cette comportementaliste et tout, est accompagnée d'un monsieur et explique bien que dans ces cas-là, il y aurait faux usage de faux venant de notre cher et tendre Pinocchio et de sa compagnie, d'accord? Donc vous voyez, on pourrait mettre fin, d'accord? Pour l'instant, on va finir avec Louis Fouché et après, je vais venir refaire une vidéo et on va voir. J'ai des choses à vous dire. Alors, s'il vous plaît, Louis Fouché. Alors, vol perte, on est d'accord, hein, voilà. Vol perte. Des regrets, bon, bah, c'est normal, hein, voilà. Mais pour moi, comment vous dire? Il n'a pas de regrets par rapport à ce qu'il a fait. Il a perdu de l'argent, c'est vrai, mais c'est pas ça qu'il regrette, hein, d'accord? Alors ici, on voit le retard et la fissure. Ce qu'il regrette, c'est que ça a pris beaucoup de temps, hein, d'accord, pour mettre les choses au clair, ok? Voilà. C'est vrai qu'il a perdu, hein, et on lui a volé un moment de sa vie, d'accord? Et vous voyez ici, on voit une manipulation avec la carte oui. On a vraiment essayé de le manipuler. Hein. On l'a pris pour une marionnette. Bon, eh bien lui, c'est pas du tout son style. Hein, voilà. Mais vous voyez ici avec la carte du printemps, moi je vois quelque chose de nouveau et on me dit non quoi? Non quoi, s'il vous plaît? Non envoûtement. Non-envoûtement, triangle amoureux. Alors, quelque chose de nouveau. C'est plus possible ici de l'envoûter, hein, de faire quoi que ce soit pour lui, sur lui. C'est pas la peine non plus d'aller, comment dire, lui caresser la manche droite pour le salir derrière lui. Ça n'ira plus non plus. Et ici, on voit que vous voyez, la justice est la clé de sa destinée. Bon, ok. Alors, on ne pourra plus ici, vous voyez, quelque chose de nouveau arrive pour lui et on ne pourra plus le manipuler, l'envoûter. Louis Fouché, s'il vous plaît, passe en commission disciplinaire le 19 octobre. Que pouvez-vous nous dire? Alors ici, on a l'événement proche, l'adversaire et 6 mois. Ça a mis longtemps, hein, ça a mis longtemps, c'est sûr. Donc ça a mis beaucoup mieux, plus que 6 mois. Mais en tout cas, il y a quelque chose de proche qui va arriver. 6 mois, je ne sais pas, attendez. 6 mois. Alors bon, ben, vous savez peut-être qu'il n'a pas non plus envie de repartir travailler là-dedans. Hein, parce que, bon, on a bien vu hein, qu'ils vont essayer encore une fois bah de remettre cette soupe en route. Hein, et vous savez très bien qu'il ne va pas encore être d'accord. Alors ici, on a quoi? Adversaire, sexualité. Est-ce que vous comprenez? Adversaire, sexualité. Je ne vous mens pas. Hein. Adversaire, sexualité. Bon, ok. 6 mois est compromis.
Bon, peut-être que dans les 6 mois qui a passé, là, on a essayé de encore le manipuler. Hein? Et ici, voilà, on est en automne, on a bien la carte de l'automne. Donc ici, un choix à faire. Et méditation, vous voyez bien réfléchir, un choix à faire. Bon, il va avoir un choix à faire. Mais moi, je vois, vous voyez, je ne vois pas de mauvaise carte pour lui. Bien au contraire. Hein. De toute façon, moi, je dis qu'il va être aidé. Je dis qu'il peut battre son adversaire. Voilà. Parce que il a des preuves et il va être aidé. Ah, vous voyez, regardez. Il sait beaucoup de secrets, hein, d'accord? Alors, on a quoi? L'élévation, le projet et les commérages. Ouais, il y a eu beaucoup de commérages sur lui, hein. Mais là, vous voyez, il va pouvoir avancer dans ses projets. Donc là, peut-être, voilà, hein, qu'on va lui demander de faire un choix, de reprendre son poste ou de faire autre chose, hein. Mais lui, il sait des choses ici, hein. Il sait des choses, hein. Et je crois qu'il va révéler des choses, hein. D'accord? Et son aide, où c'est? Ben, regardez. Communication, hein, d'accord? Alors, peut-être qu'on va encore le suspendre, moi, voilà ce qu'on me dit. Voilà, vous voyez avec la fissure. On va encore le suspendre 6 mois, mais en tout cas, on a toujours, hein, on a toujours ici, vous voyez, la fissure. Et regardez ce que je ressors encore une fois. Le diable et le choix. La fissure. Une communication qui, par rapport au diable, communication qui est tenue secret jusqu'à maintenant, d'accord? Alors lui, vous voyez, va faire le choix d'avancer, d'accord? Et bah, de casser les commérages par rapport à ses projets, hein, voilà, venant du diable. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, hein. Donc, ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez lui faire faire ce que vous avez décidé. C'est quelqu'un qui suit son cœur et qui fait son travail avec amour. Voilà. Donc, écoutez, pour moi, il va être aidé. Je ne pense pas qu'il aura la réponse de suite le 19 octobre. D'accord? Je pense qu'ils vont mettre un laps de temps puisqu'ils vont nous refoutre un coup de coco. Hein, voilà. Donc, ils vont prendre le temps de donner leur verdict. Mais ici, vous voyez, on a la carte du magnétisme. Donc, le soulagement, la détente. OK? Une femme et l'ouverture. Écoutez, hein, moi, je ne sais pas, hein, mais quand on voit sexualité, tout ça, et ici, on sort une femme. Une découverte sur une femme. Et voilà quoi. Hein. S'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire pour Louis Fouché? La naissance, vous voyez, un nouvel horizon. Je vous ai dit, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour lui. Hein. Louis Fouché, s'il vous plaît. Suite à sa convocation du 19 octobre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, écoutez, on voit. Hein. On voit, c'est. Vous voyez, il est vraiment protégé, hein, on a la carte du bouclier. D'accord? Il y a une amélioration sur ses soucis. Hein. D'accord? Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Il va pouvoir être soulagé. Et surtout, surtout, ce qui est super bien, c'est qu'il est protégé. Je vous fais des bisous et je vous dis, ouais, peut-être à tout de suite. Peut-être.